Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle. Toujours glacée de sa présence. Toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. J'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques, cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés. Seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède, éveillé, épie mon soleil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà, une voix a murmuré à mon oreille. Condamné à mort.